Ça paraissait. Ouais. Tandis que habituellement, c'est au début.
il y avait ça le TAV, ça c'est le TAO, ça c'est le TAT. Ouais. Tous des diagnostics, tous des évitations. Toutes les affaires, t'as pas dans les MRC Centre. Ah ouais. Avec ça qu'on fait la préparation du train. Okay. C'est des contrôles, surtout les contrôles qu'on doit faire, l'action intermittente, tout ça. Après ça, si tu vois du train, c'est ici que tu peux avoir full l'affaire sur la température, le nombre de passagers, la ventilation de l'affaire. J'imagine avec ça, tu peux voir aussi la cordelle, comment il y a du monde dans le train. Ouais. Tout ça. C'est ça qui donne l'information dans les divisions pour avoir la quantité de monde dans le train. Exactement. C'est une affaire que tu pourrais mettre dans le problème verte aussi avec les Azure qui sont déjà en service. Ouais. Et ils l'ont pas fait. C'est non. Vraiment ça. Pour moi, ça serait fait dans le ouais. Ça va bien pour les MRC 73, on va voir qu'il y a erreur au fil de l'année. Mais ça, le train, je ne sais pas si c'est la bonne façon de quitter le train. Il y avait des compteurs de temps en temps. Il y a des gens qui comptaient les. Ouais. Tu n'avais pas de capteur pour faire la première. On va débarquer ici, mon gars, ça va faire notre live. Merci. Évidemment, j'ai un de mes amis qui se questionnait de savoir c'est quoi que ça prenait pour être chauffeur. Le chauffeur, je pense, c'est secondaire 5. Secondaire 5, 3 ans d'esclavage. Je ne sais pas, je m'en souviens pas, mais je vais faire des bases sur le site de STM, puis okay. En carrière. Okay. Merci.